Bon, vous savez quoi? Plutôt que de me prendre la tête et de me dire ouais, je sais pas où faut aller parce que là j'ai l'impression que je sais pas en fait, on va simplement se dire qu'on n'a pas le niveau. Hein. Je dérape voilà, un peu. Hein, à un moment donné, pourquoi se prendre la tête, j'ai envie de dire. Donc voilà. Paf. Je reste dubitatif. Waouh. Dubitatif quant à la police, quant à la possibilité de pouvoir descendre, quand même. Je vous le cache pas. Moi, je suis sûr qu'il y a un moyen de descendre, en fait. Parce que là, sinon, on pourrait pas y avoir accès, ça serait stupide. En même temps, je me dis, ça pour... Non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse descendre. Très franchement... Ouais, voilà. Ah, on pourrait peut-être. On pourrait peut-être. Je sais pas. Non, on verra. On se dit qu'on n'a pas le niveau et puis on verra plus tard. Donc déjà, on va chercher les fleurs de métal, etc. On va enchaîner les autres petites missions parce qu'il y a quand même les batteries à récupérer. Ça aussi. Moi, je veux mon armure antique. Encore une fois. Voilà. Donc. Donc là, on était ici. Donc après... Après, j'ai pas été regardé là, c'est vrai, hein. Ça se trouve... Parce que la route m'indique là. On va juste aller à Smart... attendez. Il y a quoi de l'autre côté? Non, il y a rien. Très bien. Hop. Alors. Ouais. Qu'on n'a pas été regardé dans le creux au final. Et je suis étonné d'ailleurs de pas y trouver de. Je vais garder ça pour la route. Comment on appelle ça? De. Mince, j'ai loupé le nom. Non, pas des trucs banouk. Ah bah, ils se trouvent pas. Ah si, voilà, des points de données audio. Parce que vu tout ce qu'il y a quand même dans le jeu au niveau des points de données... Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a quelque chose, on a rien... Histoire de voir s'il n'y a pas une entrée. Je vais mettre ça de côté. Parce que ça se trouve, c'est peut-être la sortie que j'ai pris, hein. Auquel j'ai escaladé. Mais je pense pas, parce que pour moi, s'il y aurait la possibilité d'escalader cette merde, c'est que ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Mais alors peut-être que ce sera dans une mission. Parce que bon, j'ai pas spécialement un gros niveau aussi, hein. Je suis que niveau 28. Alors après, je sais pas combien il y a de niveaux. Très honnêtement, dans le jeu. Alors, on devait aller maintenant ici. Donc on va stepper, voilà, hein, au plus près, là. On va récupérer le feu de camp qui est là. Il n'y avait pas un feu de camp qui était marqué ici aussi. Et là, la grosse carotte. Waouh. Bon, y a plein de choses par là. Alors, ouais, il y a tous ces feux de camp que je n'ai pas récupérés. Violent. Ah, c'est vrai que j'avais pas été visité là. On y reviendra, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Ah oui, non, ceux-là, j'avais dit que je les ferais en off. Il est vrai que j'avais dit que je les ferais en off, puisque comme on avait progressé. Alors, bref, on va se TP ici, donc comme d'habitude. Hein. Magie. Magie.
nos idées. Alors. Paf! Ici, let's go. Donc. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je les ai fait, mais... Ah oui, un point de compétences, voilà. Il est vrai que celui-là, mine de rien, me tenterait pas mal d'appeler ma monture. Très honnêtement. Mais bon. Ah oui, vu que j'étais mort, c'est vrai. Bon, bah, sauvegarde rapide, on en profite. Voilà. Alors. Fleur de métal par ici. Quoi? Ah non. Ah ben parfait. Et ça vous suit. Bon, au lieu de faire ton torero là, voilà. Oh! Allez, hi-haw! Oh la saleté. Bon bah écoute. Rétame-les si t'as envie. Bon allez, cours putain. Pouvoir filer. Oh putain, des galopeurs. Ah, du coup, je sais plus où il se trouve. Ah oui, si j'en suis loin encore. Bah, ah, il y a un feu de camp par là. Si je dis pas de bêtises, il y a un feu de camp. Ouais. Qui doit être par là. Quelle aubaine. Quelle aubaine. Mais qui réalise 10 ans plus tard ce mot des années 1900 et des balles. Quelle aubaine. Ah les chocobos. Qu'est-ce que je rêverais pouvoir les grimper. Je sais même pas où il est le feu de camp.
Ah, il est là-bas. Ok. Avec ses pattes, elle est aussi rapide que bruyante. Je dois rester sur mes gardes. Je sais plus si on peut les pirater. Là. Ah si. Paf! Oh putain, j'ai cru qu'il y avait des aurores boréales. Attendez, j'en ai piraté un. Ah ouais, non, j'ai eu peur. Sur qui t'as tiré, toi? Chargé! Wouah! T'as quand même mis une petite esquive dans les rats. Je croyais que je l'avais tué, en fait il lui restait que dalle quoi. Un petit coup à mettre. Alors, bref, ceci étant. Ah oui, on va chercher le Banouk après, c'est vrai. C'était quoi ce bruit? Ah, il bug là. C'est dans le 6 ça. Ah non, charnière. Moyen de passer dessous? Ah, parfait. Parfait. Eh, fais pas genre, voilà, parce que sinon je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Ah oui, non, en effet. Voilà. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Peut-être par là. On va prendre de la hauteur. J'ai dit, on va prendre de la hauteur. Je peux prendre l'avantage. Non, mais on s'en fout de l'avantage, on veut de la hauteur. Ah, voilà, bah, il est là. Fleur de métal marque 2 F. J'ai vu une montagne, son pic hautain, et sa crête rivalisant avec les mondes des cieux, déviant chaque bourrasque de vent et tutoyant la lumière des étoiles, surplombant les dunes tel un grand penseur, envisageant les jours à venir au fil des nuits. Enveloppé de nuages noirs en guise de turban, le visage zébré des clairs comme autant de mèches rousses. Et tout au long de la nuit, la montagne muette prononçait de merveilleuses paroles. Ça m'énerve de voir les points d'exclamation partout. La capacité de se cacher, c'est pas ça que je voulais. On a un inventeur. On s'en ouvrira plus tard. Ressources. Ça, c'est vrai que je pourrais commencer à les vendre, les rubis et tout le bordel. Objets spéciaux, oui. Alors.
Où est-ce qu'on voulait aller? Ah oui, le Banouk. Et cette fleur de métal qui est tout au fond. Et après... ah oui, et celle-là. On avait dit celle-là, donc on fera du TP, hein, bien entendu. C'est laquelle, celle-là? Ah, ça doit être la dernière. Ou l'avant-dernière. Ouais. Le projecteur. Ceci, cela. Paf, 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 paf. Alors, on va au Banouk. Monsieur le Banouk. Ah, une petite hauteur, quand même. Ah. Ouais, c'est bon. Je me sens mieux. Il aurait été bien aussi que les trucs de santé soient un peu plus efficaces. Ah, il y a une mission encore, là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, encore un blessé. Encore lui? De l'aide. Ah non, c'est pas le même. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? À court. De l'aide pour Belvédère. Les étincelles attaquent. Mon frère va mourir. Tout le monde. Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Ah, parce qu'il a pas déjà claqué, je croyais, moi. Bah voilà. La mort venue du ciel. Rejoindre Belvédère? Eh ben, il aura qu'à mourir, j'ai un Banouk à aller chercher. Oh, c'est joli. Voilà, encore. Fark. Tête sudien. Wow. C'est quoi ça? LOL. Je me suis fait ta daronne tout à l'heure, tu crois que tu vas me faire peur? Oh, oh bah alors. Allez. Il est où? Il est où? Ah, ah. Putain de jeu de merde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ça va, il est pas tombé bien haut. Paf! Voilà! Tout simplement.
Bon, tu vas arrêter. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est la suite? Parce qu'il est où? Ouais, il est tout en haut, ouais, c'est ça. Donc, je pense que... Ah, me fais pas le coup! Bon, le décor, merci, putain! Ah, c'est par là? Non? Oui? Non? Ça sent la catastrophe, ça. Non, ça va. Paf! Bon, alors, il est où, ce Banouk? Ah. Ah! J'y étais trouvé! Une sorte de figurine. Probablement Banouk. Ah, bah oui. Un tek-touk. Ce n'est que parce que je sais que tu n'auras jamais ces glyphes que je peux les tracer. Et après toute une vie d'attente, je n'ai passé qu'une seule nuit avec ta mère, Lee. Illy. Si j'ai chéri ce souvenir, elle l'a maudit. Pourtant un charbon ardent de culpabilité dans ses entrailles. Je m'interroge. Sa culpabilité a-t-elle été révélée la nuit où notre chef Signac a été tué? Avait-il découvert la vérité? A-t-elle été contrainte de se défendre? Si seulement j'avais été là pour m'interposer, pour porter moi-même le coup pour lequel j'ai été puni, j'aurais alors été son héros et le père que tu méritais pendant un instant. Je peins cette marque avec un regret éternel et je te laisse cette offrande. Bien qu'elle ne puisse jamais toucher la chaleur de tes mains. Oh là là. Ah, il faut re... Quoi? Ah bah très bien. Sachant qu'on doit y aller en plus pour la fleur de métal, ça fera une pierre de coup. Eh petit... Youhou. Oh! Mais non, mais non, mais non, mais putain de jeu... Oh, j'ai l'impression de revivre les instants Assassin's Creed où on essaye de grimper sur un truc qui va faire nawak à côté, quoi. Le jeu a tellement des assets tellement précis dans Assassin's Creed que un mauvais placement et paf, c'est exactement ce qui m'arrive depuis tout à l'heure avec Aloy. À chaque fois que je vais escalader des conneries de ce genre, oh non, voilà. Alors, ne va certainement pas me dire que le Banouk tu l'as pas pris parce que je vais péter une tuile. Ouais, ça va. Par contre, à me péter les rouleaux pour aller là-bas, quoi. Alors. 600 pieds. Faudrait vraiment que je me chope un animal. Quoi?
Je dois améliorer ma lance dans le creuset pour voir les pirater. YOLO! Ah vas-y, cours, on t'a rien demandé. Enfin, pourquoi tu t'arrêtes à regarder le paysage? Voilà. Je vous jure. Du calme, du calme. Petit pont de bois. Les coureuses. Occupez-vous. Mais c'est pas les coureuses ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ah il y a encore une. Wow, c'est la guerre ici. Les étincelles, c'est sûrement Belvédère. Mais sinon, il n'y a pas de machine pour les boiquer là? Allez. Tu leur feras un tea bag plus tard. Les voilà. Paf. Bon, elle est où l'autre? Oh. Okay.
Oh. Je sais absolument pas où est-ce qu'elle est tombée. Ah, tu n'as aucun moyen de faire. Ouah! Est-ce qu'elle est décédée? D'accord, voilà, t'aurais pas pu choisir plus compliqué comme mort? Voilà. Merci. On est épuisé. C'est la troisième vague depuis ce matin. On dirait que tu peux t'en sortir très bien toute seule. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose de bien plus intéressant que moi. Je ne peux plus supporter les Garjas. Bouge la dinde. Ah, il y a un marchand d'ailleurs. C'est un peu le bordel chez vous, les gars. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es tombé du ciel et tu as sauvé nos misérables vies. D'où tu viens? Si tu savais. Un certain Akurt m'a prévenu devant le village. Ce traître! Je lui avais interdit de bouger. Je vais le mettre en fer. Il est mort. Quoi? Cette raclure d'imbécile de vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté? Pourquoi? Il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles? Doit y avoir un problème là. J'ai appuyé sur rien? Pourquoi? Il y a eu un changement qui aurait pu attirer les étincelles? Vous avez laissé des restes de machines? Non. Les Océram récupèrent tout, pas comme les Karjas. Ils ne gardent que ce qui est joli. Les Karjas laissent traîner des carcasses. Ici? Jamais. Si un Karja cachait des pièces sous mes yeux, je les ramasserais. Et je les lui ferais bouffer. Pourquoi tu crois que les Karjas ont un lien avec ces étincelles? On a bâti cet avant-poste pour se protéger des Karjas. Et voilà qu'ils viennent ici pour commercer. Bon, je vais pas cracher sur leurs éclats. Mais tout le monde sait qu'ils veulent cet endroit. Quand on y pense... Ils veulent toutes les terres. Mais comment les Karjas auraient amené les étincelles? Si elles veulent bien me laisser tranquille, j'essaierai d'envoyer un de mes gars suivre la piste. Je te le parie, il va tomber sur un Karja au bout. Quel est ton rôle ici? Je suis le maire. En partie parce que j'étais trop saoul pour dire non quand mon frère m'a demandé. Dis-moi où il est, et j'irai l'enterrer une fois qu'on sera débarrassé de ces étincelles. Tu le trouveras un peu au sud, le long de la rivière. Quel imbécile! Vraiment, quel crétin! Merci d'avoir été à ses côtés. Quelqu'un est venu pour vendre des leurres? C'est des appareils qui attirent les machines. Ça existe? Ou c'est un genre de blague de Nora? Je prends ça pour un nom. Tu
J'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer. Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse? Personne ne me propose jamais son aide. T'es douée pour le pistage? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu, il y a un Karja derrière tout ça. Ok! Alors, enquêter à Belvedere, mais avant tout... brigade et chef avant tout. Ah, c'est vrai que... waouh, il y a de la route à faire, là, quand même. Parce que là... Là, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir au bout de tout ça. Mais nous allons le découvrir. Avant tout, où est-ce qu'il est le marchand? J'avais vu... Ah, voilà. Qu'est-ce que t'as d'intéressant? Déjà tenu. Waouh! Stylée celle-là. Waouh! Ah, il y en a des jolis là tout de même. Bon, de toute manière, moi, faut que je vende. Alors, vendre. Vendre. Ah oui, marqué à vendre, voilà. Alors, c'est ça que je voulais vendre. Mais on va pas vendre les lentilles, parce que les lentilles... ouais, j'en ai une blinde, ça. Parce que quoi qu'il arrive, les lentilles... j'en aurais besoin pour mes quêtes principales surtout. Enfin, pour mes quêtes annexes. Pour ceux qui me demandent de passer faucon, grand faucon et toutes ces merdes. Donc on va les garder pour l'instant. Par contre, oui, on va peut-être ouvrir les ressources depuis le temps. Je disais que je voulais les garder, mais au final... Ah, intéressant. Lumineuse. Pierre. Ah, super. Voilà. Voilà. On te dirait tout droit sorti de la forge. Ah. Voilà. Mais ça, je suis étonné que personne fasse de remarques sur ça, là. Bah voilà. Qu'est-ce que tu fabriques? Par le soleil, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai trouvé dans un atelier. Quoi que ce soit, depuis qu'il est allumé, ces étincelles nous attaquent. Je ne sais pas quoi faire pour l'arrêter. D'accord. Ah, bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des dialogues qui ont été sautés. Pourquoi prendre du matériel que tu ne comprends même pas? Mes clients exigent des pièces extraordinaires, toutes issues des confins de la civilisation. Le récit de mes aventures augmente encore leur valeur. Là où les autres n'osent s'aventurer, je prospère. Aucune montagne n'est trop haute pour que je l'escalade. Mon métier exige des sacrifices. Y compris le sacrifice d'innocents. Ces étincelles se sont mises à attaquer tout le monde.
Je n'ai jamais voulu provoquer ça. Je voulais juste assouvir l'appétit de grands bourgeois qui ne quittent pas leur palais. Tu as trouvé cet appareil dans un atelier ? Oui. J'ai campé au sommet de la crête de l'Est enneigée. J'aurais déjà eu bien du mal à grimper dans ma jeunesse. Mais j'ai enfilé ma... Ça suffit. Est-ce qu'il y avait d'autres appareils dans cet atelier ? Du matériel abandonné, comme je n'en avais jamais vu. Dont un silo étrange qui a obstinément refusé de se laisser ouvrir. En fouillant, je me demandais combien de secrets peut bien receler ce monde. Tandis que nous autres ignorants vaquons naïvement à... Et donc ? Oh, non, je n'ai pas vu d'autre appareil. Mais il pourrait y en avoir un sur le point de semer le chaos. Qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce que tu savais depuis le début que cet appareil attirait les étincelles ? Par le soleil, non ! Je l'ai rangé ici un moment, mais quand je suis revenu, j'ai failli me faire décapiter par un de ces monstres volants. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il ? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti, annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. Allons, une petite chose comme toi ne pourra pas grimper toute seule. Tu peux m'accompagner jusqu'à l'atelier. Son campement sur la crête de l'Est. Je regrette de t'avoir reparlé. Lol. Alors. Le danger est venu du ciel. On verra où est-ce que ça amène. Qu'est-ce qu'on a par là ? Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Non, là, après, on arrive à la limite, comme d'habitude. J'ai envie de dire. Ah non, ça faisait partie de la musique. Je saurais quoi en faire. Alors. Ah oui, c'était... Mince, c'était des rations de vie que je voulais récupérer. Que je voulais acheter, pardon. Chez le marchand. C'est absolument pas ce qu'il y a par là. Waouh! Encore une daronne. Ah oui, non, j'y suis pas allé alors. Découverte, feu de camp. En effet. Regardez-moi ces mâchoires. Couperait un dent de scie en deux. Ouah. Ah, ce serait pas encore un endroit de chasse. Pas de chasse, une planque de bandits. Voilà.
Je suis trempée par la neige fondue. Paf! J'ai tout ce qu'il faut pour t'affronter. Pas moyen de prendre de l'altitude. Là, il a l'air de pouvoir y aller, là. Doucement. Il n'y a pas de prisonnier là pour une fois. Ils sont nombreux là quand même. Oh la salope. Oh, genre! Ouais, anticiper là, c'est pas facile, hein. Thank you.
Tire dans la tête, trophée obtenu. Après, je vois pas ce qu'il y a marqué. Ils sont tous morts là ? Ah non. Non, ah une potion, parfait. Bah si, ils sont tous morts. Il y a pas grand chose par ici, mine de rien. En général, chez les bandits, on a... Il y a du matos, il y a... Là, non, il y a rien. Il y a même pas... En plus de ça, il y a même pas la sonnette d'alarme. D'ailleurs, c'est ce que je viens de remarquer. Ou alors, ils avaient l'air trop occupés à vouloir me faire chier, je sais pas. Non mais y a rien. Bon ben on va pas s'en plaindre hein. Oui. Alors en espérant qu'on me dise pas c'est là. Ah bah si ça va être ça. Ouais voilà je peux pas. Merde, chier. J'aurais voulu couper par le haut. Ah, tant pis. Ah là, j'aurais peut-être pu là, non? Ah merde! Merde, merde! Vous êtes sérieux? Oh mais non! Mais non! Putain!
Ah putain, ah non, ça va. Ah bah. Des fleurs de métal. Pourquoi pas. Marque G, putain, la chance. Sous la pluie d'automne, l'herbe pourrie meurt. Sous les marches, les couleurs jouent, Ming est fraîche. Des feuilles vertes couvrent ses tiges, telles des plumes, et d'innombrables fleurs éclosent comme autant de pièces d'or. Le vent glacial mugit et te lance ses bourrasques. Je crains que bientôt tes peines restent debout. À l'étage, le savant libère ses cheveux blancs.